Salut à tous et bienvenue pour ce deuxième épisode de cette campagne sur Hearts of Iron 3 avec l'Allemagne. La dernière fois, on avait un peu tout réorganisé, toute notre armée. J'ai appris que faire le déplacement stratégique, ça, c'était plus rapide, mais ça consommait beaucoup plus d'essence, beaucoup plus de ravitaillement, ce qui était donc moins bien. Bon, moi, c'est déjà ça d'appris. Et après, qu'est-ce que j'ai appris? Pas grand chose. Franchement, si je fais des conneries, dites-le moi clairement. Hein. Dites, non mais ce que t'as fait, c'est une connerie. Faut pas faire ça, faut faire ça. Certes, c'est, j'ai appris à connaître quelques subtilités, mais je ne le connais pas complètement. Donc, continuez à m'aider, continuez à dire ce que je fais, c'est à me dire si ce que je fais c'est de la merde ou pas. Aidez-moi, donnez-moi des conseils. À mon avis, il y aura beaucoup de monde qui regarde cette série, qui veulent apprendre à comprendre le jeu. Il m'a fallu quand même presque un an avant de me décider. Putain, c'est bon, j'y vais à fond, je vais comprendre le jeu. Car lorsqu'on arrive dessus, on est un peu submergé par toutes les informations qu'on a. Qu'on a dans tout ça. Ah, super, là on a les... Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que je vais faire? Oh là là, c'est l'horreur. Bon, voilà, reprenons. Alors, production, j'ai 6 comme ça. Oui, c'est à cause de la modernisation. Oui, pour expliquer, ça c'est ma capacité industrielle, 237, c'est marqué ici. Et après, mes 237 sont... Il y en a 35 qui sont pour la modernisation. 0,12 qui sont pour les renforts, 16,95 qui sont en ravitaillement, tout ça c'est divisé. Et ça permet ainsi de choisir qu'est-ce qui va avoir la priorité. La modernisation, ok, on n'a qu'à descendre. La production, c'est important la production, ça, ce qui nous permet de faire tout ça, toutes les unités. Donc voilà, ça nous permet d'un peu de mettre la priorité dans quel domaine particulier. La consommation, là, c'est très important. Dans les que la consommation, c'est ce qui va nous permettre de voir si s'il y a trop de dissidence, faut augmenter à fond la consommation pour faire baisser la dissidence. Et sinon, faut rester dans le besoin, sinon la dissidence va monter. Donc ça, c'est vraiment le minimum. Ah là là. Voilà, bon, c'est bon. Parfait. Je vais donc pouvoir appuyer sur play, ce sera bien. Un dernier truc que je veux voir. Oui, c'est bon, commerce est en automatique. Parfait. Ici, est-ce que ça a changé? Non, ça a pas changé. 49, 45, hein, intéressant. Très intéressant tout ça. Allons-y, accélérons un peu. Ah, tiens, on peut voir que les Polonais bougent avec leurs unités d'infanterie à la frontière. Intéressant. Ah oui, tous ces petits symboles, ça, ce sont des symboles des unités. Parce qu'après, qu'est-ce que j'ai? Ah, le Graf-Spe. Ah, c'est bien ça. Le Graf-Spe a été construit. Un cuirassé de poche allemand, ça, le Graf-Spe. Qui était équipé de 9 canons de 280, si je dis pas de conneries. Je vais vérifier ça. J'ai sorti mon gros bouquin énorme avec tout. C'est l'encyclopédie des armes de la Seconde Guerre mondiale. C'est génial. Bon, il est en allemand, mais c'est pas grave ça. C'est ça. C'est 6 canons de 280. Pardon, pas 9. Je me suis trompé. Le Graf-Spe, Amiral Graf-Spe, qui est sorti des chantiers le 6 janvier. Bon, on est le 12 février. Bah, à quelques jours près, on va pas chipoter. Parfait. Ça, la modernisation, c'est terminé. Car la modernisation, ça permet d'améliorer nos unités. Est-ce qu'on a des unités qui sont en cours d'amélioration? Je ne sais pas. Regardez, là, par exemple. On peut voir que le moteur élémentaire d'avion, non. Ça, c'est à la base. Il va être amélioré, il est à 70% de l'amélioration. Là, on peut voir que ce sont des H-51, des biplans à la noix, complètement à la noix. Ce que j'aime bien, c'est ça. C'est lorsqu'on clique, on peut voir quels avions on a. Donc on peut voir que nos bombardiers tactiques sont des pauvres Ju-52. C'est minable, les Ju-52. Ils sont en train de s'améliorer, d'ailleurs. Moteur d'avion, également. Là, les H-51, les biplans tout moches. Ah là là. Avec l'infanterie, les blindés ici, on peut voir qu'on a des Panzerkampfwagen 1. C'est les premiers blindés allemands, on va dire. Premiers vrais blindés. Qui seront quand même... certes, ils ont leur armement, c'est de la merde. Mais ils seront maintenus assez longtemps en tant que char pour les chefs de char, pour les chefs de compagnie.
Ils seront utilisés assez longtemps pour ça. Parce qu'après, ils seront vite remplacés par des Panzer 2, Panzer 3, Panzer 4. Hein. Ça, c'est une évidence. Bien, pour le moment, ça passe. Le temps va être va passer assez rapidement pour le début. Mais dès qu'on entrera en guerre, là, faudra changer. Parce que sinon, ça va pas le faire. Alors, ici, c'est parfait. Ça monte. Au moins, la production va s'améliorer. Ravitaillement, pas la peine d'être aussi haut. Ici, c'est bon. Parfait. Bien, allons-y. Voir que la production, c'est ici, on peut voir tous les symboles. Ça, c'est motorisé, Waffenbrigade, tout ça. C'est assez sympa. Parce qu'après, je pourrais changer ça. C'est une option que je vais mettre. Tiens, je vais la mettre d'ailleurs, cette option. Cette option-là, option du jeu, utiliser les pions. Appliquer. Parce que lorsque je zoome avec, on peut voir ainsi les petites unités qui sont toutes jolies, tout mignonnes. Sauf que le problème avec ça, c'est qu'après, je vois pas les unités qui sont les superposées les unes par-dessus les autres. C'est pour ça que je le désactive. C'est certes très joli, mais pas des plus efficaces. Au moins, là, je sais si j'ai plusieurs unités les unes sur les autres. C'est beaucoup plus simple. D'un petit coup d'œil, hop, je sais que sur cette case, il y a tant d'ennemis, enfin, tant de brigades ennemies. C'est beaucoup plus lisible, on va dire. Et en plus, ça fait tout de suite plus vrai sur un plan de bataille, là. Ok, là, nous avons tel truc, nous avons tant ça. Ok, parfait. Je trouve ça plus RP, on va dire. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Ah, des destroyers. On va les mettre où, les destroyers? On va les maintenir à Vilaine va dans cette flotte-là. Ouais, on va mettre plus de destroyers là-dessus. Parfait. Ici, j'ai mes sous-marins. Sous-marins classe 2B, quoi. C'est minable les classes 2B. Faut au minimum avoir des classes 7 pour que ça soit des sous-marins potables. Même si après les mieux c'est les classes 9. Étant donné que ce sont des sous-marins qui peuvent aller jusqu'au large de la côte américaine. Querelle politique au sein du gouvernement. Deux de nos ministres semblent incapables de trouver un consensus sur le contrôle de la presse de propagande. Il y a quelques jours, leur querelle dérisoire a même provoqué un affrontement armé entre les partisans des deux camps. Il sera approprié d'intervenir et de stopper ces bêtises puisqu'ils ne semblent pas capables de régler le problème eux-mêmes. C'est ridicule. Querelle politique jusqu'à 19h, 19 avril 1936. Ouais, on a ça pour 20 jours quoi. Car là, la baisse du leadership, bon, j'ai pas le choix, mais ça va baisser mon nombre de mes points de technologie là. Si je dis pas de conneries. C'est ça, regardez, officier qui était pourtant le truc, là ça va pas le faire. On va mettre à 3 ici. Non, 3. Voilà, là on peut voir ici que ça le fait pas. Là ça, après ça remontrera assez rapidement. Et pour le moment c'est pas terrible. Ah, des nouveaux sous-marins. Bon, on va les mettre ici les sous-marins. Là on a quoi comme sous-marins? Toujours des types de B. Italie a imposé état fantoche à Éthiopie. Oui, ils sont en guerre dès le départ. On part en 1936, l'Italie commence en guerre contre l'Éthiopie. Avec Élie Sédassier, je crois. Je dirais l'empereur d'Éthiopie. Si je dis pas de conneries. Ah, nos armes s'améliorent. Parfait, parfait, parfait. Ça, c'est génial. Ça, c'est cool. Voyez-vous? Ça va être dément. Voilà, si c'est bon. Ça va être génial car nos unités vont être bien plus efficaces. Ce sera parfait. Bon, après, je peux pas maintenir étant donné que je suis en 1936. Cette technologie sera la technologie de 1938. Ce qui fait que je suis bien trop en avance sur mon temps. Ce serait perdre du temps inutilement de faire ça. Bien. Qu'est-ce que je vais améliorer? Ici, c'est bon. Ben, on va améliorer. En aérien, je peux rien améliorer. Non, 1939, 1938, ça sert à rien d'améliorer ça. Ah, ça, on va améliorer les réservoirs élémentaires et les bombes élémentaires. Ce sera déjà bien. Ce sera du 1936, ce sera cool. Parfait. Allons-y. Armes anti-char, l'infanterie et artillerie légère améliorée. Ça, c'est les dernières petites améliorations. Parfait. Ça, c'est bien. Après, je pourrais améliorer ça, mais pour le moment, c'est peut-être pas la priorité absolue. Chasseur, parfait. Secret, inutile. Faut que j'attende au moins 1939 pour faire ça.
En théorie, ça pourrait être pas mal. Il y aurait aussi ça, les doctrines terrestres. Ouais. Je pense que je vais faire ça. Structure opérationnelle, mouvement d'attaque. Ouais, Schwerpunkt. Ça, c'est pas mal, Schwerpunkt. Parfait, là, c'est bon. Doctrine du délai. Ça fait plus de morale. Structure de commandement, c'est plus de morale pour les mécaniques motorisées, la cavalerie. QG résistance. Et en aérien, tout ça. 1900. Oula, contrôle au sol, impact du radar. Ouais, j'ai pas de radar encore. Ça sert pas vraiment énormément. Ouais, ici ça passe. Là, doctrine du porte-avions de flotte. Ça, c'est pour améliorer mes flottilles après. Ça sera pas mal. On va faire ça. Allons-y. Alors, maintenant. Ah, nos artilleries. Parfait. Nos artilleries sont terminées. On va pouvoir agrandir nos unités, nos corps d'infanterie. Parce que l'infanterie, ça va être vraiment notre unité centrale sur tous nos conflits, sur tous nos fronts. Ça, je l'ai déjà dit, mais l'infanterie, c'était vraiment encore le nerf de toute armée lors de la Seconde Guerre mondiale, même pour l'armée allemande. Enfin, vous imaginez tout le pétrole qu'il aurait fallu, tous les camions qu'il aurait fallu pour transporter toute l'armée allemande. Faut pas oublier que l'armée allemande a été à majorité hippomobile, hein. C'est-à-dire qu'ils avaient des chevaux pour tirer les canons et tout ça, pour déplacer les troupes. Si, ils n'allaient pas à pied, tout simplement. Allons-y, parfait. Et après, j'ai encore une unité à placer. Bah, je vais la placer là. La dernière unité. Après, je sais par expérience que j'ai une unité. Voilà, celle-là, elle a déjà son unité d'artillerie. Par expérience. Parfait. Au moins, mon front polonais sera bien blindé. Alors, on va aller ici. Étant donné que là, on va améliorer la modernisation. Certes, la production va baisser, mais ce n'est pas grave. Étant donné qu'on a toutes nos unités améliorées. Regardez ça, les carabineurs 98K. Tout ça, ce sera démodé. Recherche. Davantage de recherches sont disponibles. Oui, ça serait bien de monter tout ça. Voilà, c'est mieux là. Ça, c'est. On est le 19 avril, enfin le 20 avril, qui fait que le malus qu'on avait a été annulé. On peut donc remettre nos officiers là où ils étaient avant. Donc, on ait plus d'officiers. Canon et munitions, l'artillerie. Ah, c'est parfait. Ça, c'est l'artillerie qui va être améliorée cette fois. C'était dans les blindés. Là, ça, c'est fait. Parfait. Qu'est-ce que je vais améliorer? Naval, il n'y a pas grand-chose. Mission d'escorte de destroyer, ça pourrait être pas mal ça. Après, ce serait bien que j'améliore en fait les destroyer. Non. Doctrine de porte-avions, ça peut être pratique. On va améliorer. On va améliorer les sous-marins. On va améliorer un peu nos sous-marins. Ça peut être très efficace ça contre les convois. Les sous-marins. Faut pas oublier que nous sommes allemands. Les Allemands, c'était les U-boats. Parfait, ça fait combien de temps déjà encore? Ok. Espagne républicaine. Il semble que la guerre civile espagnole a commencé. Au début de l'année 1936, après la victoire électorale de la gauche, les demandes du peuple pour une plus grande égalité se transforment en une véritable révolution contre le clergé, les propriétaires terriens et les monarchistes. La foule s'en prend aux églises et tente de collectiviser des fermes. Les syndicats lancent des grèves et les anarchistes assassinent les ennemis du peuple. Le gouvernement nouvellement formé se montre incapable de rétablir l'ordre. L'armée espagnole se rallie aux conservateurs et aux catholiques pour écraser la révolution socialiste et forme le camp des nationalistes. Le gouvernement, qui doit résister à la rébellion de l'armée, regroupe les républicains sous sa bannière et décide de joindre ses efforts à ceux des forces révolutionnaires. La guerre civile espagnole vient de commencer. De nombreux pays comme l'Allemagne, l'Italie ou l'Union soviétique interviennent directement en envoyant des troupes. Espagne républicaine a déclaré la guerre. Super. Cool. Ben ça, on va les aider. La relation avec Espagne nationaliste a évolué de plus 20. Parfait. Allez-y, on le fait ça. Voilà. Au début de l'année 1900, c'est bon.
Ouais, mais c'est le même blabla en fait. C'est globalement le même blabla. Parfait, là c'est bon. Nos unités vont bien s'améliorer, ça sera très très bien. Un carabineur, 98K. Un fusil. Ah, ça c'est cool. Canon de char léger, étude l'œil. Toutes ces améliorations. Mais après, dans toutes ces améliorations, il y en a la majorité va passer à 1936. J'en ai qu'une, c'est les canons des chars légers. Qui est maintenant trop évolué. Parce que lorsqu'on regarde Doctrine, voilà, c'est ça. 1936, je suis passé à 1936. Avant, j'étais à 1918. Enfin, même pas, j'étais même pas à 1918. Ah, super, mes bateaux de transport sont là. Je pourrais ainsi envoyer mes canons en Prusse orientale. Là, parfait. On va pouvoir rebaisser ça. Là, on va monter. Nickel. Recherche en génie électronique améliorée. Okay, c'était le truc qui restait. Voilà. Maintenant, bientôt, ce sera les canons qui vont devoir... Les tanks qui vont bientôt voir leur technologie terminée. Voilà, qu'est-ce que je disais. Blindés. On va améliorer les véhicules blindés. Et quand ce sera fait, on pourra commencer à débloquer les brigades de chars moyens. Et ça, ce sera très très cool. Après, j'irai améliorer mes navires. Tout ce que j'aurai à faire pour le moment. Viabilité de chars légers, ça c'est fait. Voilà. Tout, c'est parfait. On va améliorer nos armements anti-aériens du croiseur. Comme ça, il sera entièrement en 1938. Parfait. Parfait, parfait, parfait. Et bientôt, la dernière technologie pour les tanks sera terminée. Voilà, 6 juin. Nous sommes le 3, le 4. Attendez. Ah, parfait, on va descendre ça. Là, on va monter ça. Là, c'est bon. Parfait. Ah, ils ont décidé le Front Populaire. Nous n'oublions jamais la nuit du 6 février 1934. Nous avons finalement un gouvernement d'union de la gauche. Et cet acquis nous permettra de soigner nos blessures alors que nos nouvelles législations en manière de travail apporteront la paix économique tant recherchée par la France. Et j'ai fini les blindages de chars légers. Parfait. Je vais pouvoir ainsi chercher les brigades de chars moyens. Parfait. Nos chars vont pouvoir s'améliorer. Ce sera parfait. Ouais, là, ça a encore un peu augmenté. Ah, ça a même diminué en fait. Il y a des recherches qui ont été terminées pour certaines unités. Regardez là. Maintenant, nous sommes équipés de MP38. Arme de soutien à l'infanterie, c'est du 8 cm. Arme tirée légère, 5 cm. Et les armes anti-char Panzer B38. Parfait. Le MP38, attendez que je regarde mon bouquin. Le CART 98, ça c'est bon. Il est très célèbre dans tous les Call of Duty Medal of Honor. Mais le MP38, je connais le MP40 et le MP44, mais le MP38, tiens, il y est pas. Il devait déjà être has-been lors de la Seconde Guerre mondiale. Sans doute. Ah, ça doit être ça. Complètement has-been lors de l'entrée en guerre. Sinon, ça m'étonne pas, nous sommes en 1936. Ah, production, parfait. La modernisation s'effectue rapidement. Ça, c'est cool. Nos artilleries, c'est bien. Nos blindés. On a des Panzer 2C, ça c'est cool. C'est mieux que les Panzer 1 qu'on avait au début. Parfait. Nos avions, je voulais voir l'état où étaient nos avions. Ah, nous avons des Dornier Do-17. C'est déjà un peu mieux les Dornier Do-17. C'est déjà mieux que ce qu'on avait comme joue 52. Et nos avions, nous avons quoi? Ah, les Messerschmitt BF-109D. Ah, c'est bien ça. Mais même si après, je suis impatient d'avoir les Émile et les Gustave en termes de Messerschmitt 109. Ce sera bien mieux. Bon, après, on aura les 190. Fugwolf. Ça, ce sera juste gamme au-dessus, on va dire. 30 juillet. Ok, pour avoir la deuxième vague d'artillerie. Ça, ce sera en décembre, d'accord. Bien, bien, bien. Parfait. Oui, si j'appuyais sur espace, ce serait pas mal. Un truc que je voulais regarder. 49, ouais, pas 45.
Encore un peu haut. Parfait. Renseignement. Bien. Parfait, parfait, parfait. Allons-y. Continuons. Pour le moment, tant qu'on n'aura pas la guerre, ce sera un peu... Voilà, quoi. Je vais seulement pouvoir un peu expliquer. Là, ça me conseille de faire 4 unités de blindés légers. Bon, quand je vois que j'ai deux fois trop de besoins que ce que je n'ai actuellement, c'est pas la peine. Armement antiaérien de cuirassé amélioré et moteur de cuirassé amélioré. Parfait. Cuirassé... Bien, on va pouvoir ainsi améliorer un peu nos destroyers, je dirais. Ça serait déjà pas mal. Pour l'escorte, ce serait pas mal. Parfait, nous sommes déjà le 14 juillet. Ouais, là, quand on a fini la réorganisation, après, jusqu'en 1937, ça devrait être assez rapide. Il n'y a pas grand chose qui va se passer. 49, enfin, je voudrais bien que ça diminue tout ça. Bien, bien. Ah, la deuxième vague commence à arriver. Je vais pouvoir mettre déjà 3 unités ici. À Coldberg pour qu'il puisse aller là. Ici, toi, je t'avais déjà mis une unité. Là, c'est bon. Elle est où mon unité? Elle est là. D'accord. Ici, et toi, là. Parfait. Allons-y. Mettons ça là, comme ça ce sera fait. Bien, maintenant mes 3 nabato là, il faut que je les mette dans les navires, mes 3 canons, et ils vont aller déplacer leurs unités. Non, c'est eux que je veux. Vous allez me transporter ça, voilà, c'est bon, les 3 unités. Alors toi, tu vas aller ici. Toi qui est en déplacement, tu vas aller là. Et toi, tu vas aller ici. Parfait. Ah, nous avons d'autres canons. Génial. Alors, toi, tu vas aller là. Ici, on peut voir 3-3. Ok, c'est pas la peine, non. Ici, c'est bon. Là. 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 Et là. Bien. Maintenant, il faudra attendre la troisième et dernière vague pour que toutes nos unités de division d'infanterie soient opérationnel à 100% avec grâce au soutien de l'artillerie. Ce sera parfait. Voilà. Ouais, c'est ça. Ici, les dernières divisions. Nickel. Nickel. Août 1936. Parfait. C'est les Jeux Olympiques en 1936, d'ailleurs, à Berlin. Ah bah tiens, je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça, le message... les Jeux Olympiques, mais le problème c'est que la traduction française est complètement buggée. J'ai beau avoir téléchargé une traduction, il reste que des trucs qui ne sont pas totalement bien traduits. Mais je pense que c'est ça, c'est là je pense qu'il parle des Jeux Olympiques 1936. Pour voir un film qui parle des Jeux Olympiques, je vous conseille L'As des As avec Jean-Paul Belmondo, un des plus grands de ses films, si ce n'est le meilleur à mon goût. Ah, c'est vrai, les avions. J'avais amélioré les bombardiers. Pour voir les réservoirs élémentaires et les bombes élémentaires. Élémentaires, mon cher Watson. Après, ici, je suis trop en avance sur mon temps. Les blindés. On va un peu améliorer les doctrines terrestres. C'est important. Doctrine du délai. Et on va faire la structure du commandement tactique. Ce serait déjà pas mal. Voilà. Faut pas oublier d'améliorer ça. C'est important. Parfait. 28 août. On va rentrer en septembre. Nickel. Niveau production. Ouais, modernisation, ça va aller. Hein. Ça va aller. Toi, tu vas faire ça. Toi, tu vas faire ça. Que ça soit ça plus rapidement. Bientôt, j'aurai d'autres navires. Parfait. Qu'est-ce que je disais? Ils sont là, mes navires. Là, j'ai fini le renfort. Nickel. Ah oui, pour les canons, fallait que les renforts arrivent.
le dernier bateau de la vague. Parfait. Ça sera la flotte de transport. Bien. Ah, l'amiral Raider. Le grand amiral de la Kriegsmarine. Et là, nous avons Von Nertek. Coque de sous-marin améliorée. Eh ben, tu vas rester là. Tu vas continuer d'améliorer la coque des sous-marins. Ce sera déjà pas mal. Ici, bien. Là, on va faire ça, là c'est bon. L'infanterie, ça s'améliore. Les bombardiers ont eu leurs bombes élémentaires. Ah, c'est ça, elles sont en train de se faire. Nickel. C'est nickel. Nos Panzer 2F. Bien. Avec 30 mm de blindage. Schwerpunkt par défaut. On est en train d'améliorer. Étude de la guerre d'infanterie améliorée. Oula, oui, oui, là, maintenant que je suis un peu en avance sur mon temps avec toutes ces technologies en théorie. Là, on va tout désactiver. Là, toi, tu restes. C'est bon, là, c'est bon. C'est bon, c'est bon. On va améliorer ça pour les recherches de fusées. Et maintenant, je me retrouve avec 7 technologies en tout. Ça fait beaucoup. On va pouvoir aller maintenir ça. Toc, toc, toc. Et faire une note de recherche à ce niveau-là. Doctrine du fer de lance, je peux pas. Ce sera pas mal, ça. On l'aura. On va faire la planification centralisée pour ensuite débloquer les grands plans de bataille. Et bon, ça sera pas moins 1940. Production moteur de croiseur léger. Oui, c'est vrai que je suis un peu en avance sur mon temps à ce niveau-là. Bien. En aérien. Bombe logistique. Ça, c'est pour les bombardiers lourds, je pense, non? Enfin, ce serait déjà pas mal en fait. Même si c'est pas pour les bombardiers lourds. Contrôle aérien. Bombardier stratégique. Impact du radar. On va faire les tactiques de frappe logistique. Ce sera bien les tactiques de frappe logistique. Recherche en technologie améliorée. Ça, c'est les dernières technologies en théorie qui étaient pas encore terminées. Parfait. On va pouvoir aller dans les terrestres. Faire assaut massif. Et force spéciale. Ça serait déjà pas mal. Bien. Armement antiaérien du croiseur lourd amélioré. Parfait. Parfait, parfait, parfait. On va pouvoir améliorer l'armement antiaérien des croiseurs de bataille. Les croiseurs cuirassés. Ce sera parfait. On va améliorer ça. Bien, 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 ça se passe correctement. Blindage de véhicules amélioré. Nickel, ça c'est bon. On va pouvoir peut-être améliorer quelque chose d'autre ici. On va faire ça, les frappes d'installation. Il faudra peut-être que j'améliore les contrôles de chasseurs. Ce sera fait au moins. Faut dire ça. Quelque chose que je veux regarder ici, ok. Et oui, là, 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 là. Ah, 48%, 46, parfait. Ça diminue. Je pourrais ainsi envahir la Pologne. Oui, déjà, en effet, je veux déjà envahir la Pologne. Ah, technologie des porte-avions d'escorte. On va faire ça, la doctrine, la technologie des porte-avions. Ce sera pas mal, ça, la technologie des porte-avions. Toc, 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 ça c'est parfait. Bien. C'est nickel. La troisième vague sera prête pour le 2 décembre. Parfait, bah c'est bien, notre armée se développe, au moins on sera au top de la technologie. Canon de véhicule blindé, ça manquait, tiens, c'est bon, ça sera fait, voilà. Technologie en blindé, voilà. Bientôt on aura ça, j'espère. Brigade de char moyen, 27 novembre, parfait. Parfait, 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 en infanterie, on va peut-être faire... Ça prend combien de temps? 242 jours. Infanterie de marine. Ah, ça peut être bien l'infanterie de marine. Ah ouais, ça peut être très bien ça pour faire des débarquements. L'infanterie de marine. Je prends l'infanterie de marine. Je valide. Production. Bien, 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 c'est nickel. C'est nickel tout ça. Ah,
Ah, compte à rebours. Ça, c'est mon chrono qui me dit que il faut que j'arrête la vidéo pour le moment. Tiens, maintenant, j'ai décidé de faire des vidéos d'à peu près une demi-heure. C'est pas pour les Total War. Pour Total War, je vais rester sur le temps de 45 minutes. Mais pour les jeux Paradox, je préfère me limiter à 30 minutes. C'est beaucoup plus regardable. Voilà, je vous dis donc à la prochaine. La prochaine fois, j'espère pouvoir passer à la guerre contre la Pologne, on verra bien. Peut-être que ce sera plus vers l'épisode 4. Mais bon, pour le moment, on est en bonne voie, notre armée se développe très bien. Et on va donc envahir le monde après. Allez, salut les gens, et à la prochaine.